السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت يا موفق الطائعين. وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وصالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب أزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال والأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أعمالنا وأصلح نياتنا. اللهم وفقنا لصيام ما تبقى من رمضان إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين اللهم آمين. Mes très chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, nous allons aborder un sujet extrêmement important dont on doit sans cesse faire le rappel. C'est un sujet qu'évoquent tous les imams au début de Ramadan. Car c'est une des choses avec laquelle le croyant doit accueillir ce mois béni de Ramadan. Il s'agit du repentir sincère. At-tawbatu sadiqah. Allahumma tub alayna tawbatan turdik. Allahumma tub alayna tawbatan nasuha. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de nous repentir à lui sincèrement et d'accepter notre repentir. Allahumma amin. Allahumma amin. Mes très chers frères et sœurs en islam, le repentir est l'œuvre que nous devons accomplir durant toute notre vie. Wadhifatul umr. Elle doit nous accompagner à chaque instant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset: et repentez-vous tous devant Allah, ô vous qui avez cru, afin que vous récoltiez le succès. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude d'implorer le pardon d'Allah et de se repentir auprès de lui plus de 70 fois par jour, alayhi salatu wassalam. Et ses compagnons, radiyallahu anhum, rapportaient que dans une seule assise, il comptait qu'il prononçait, alayhi salatu wassalam, 100 fois l'invocation suivante: Seigneur Allah, pardonne-moi et accepte mon repentir, car tu es celui qui accepte le repentir et tu es le très miséricordieux.
Rabbi khfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwab ar-rahim. Dans une autre version de ce hadith, c'est toi le pardonneur. Hadith rapporté par Abu Daoud. Mes chers frères et sœurs, le vrai repentir n'est pas celui que nous avons l'habitude de faire, à savoir dire « je me suis repenti », tu dis avec ta langue « Astaghfirullah », « je demande pardon à Allah », alors que ton cœur est distrait, alors que ton cœur est absent. Ne pensez non plus, mes chers frères et sœurs en islam, que le repentir soit le fait qu'on abandonne le regard illicite seulement, ou qu'on abandonne le mensonge, la médisance et la calomnie uniquement. Nous voulons cette fois-ci le repentir de notre façon de vivre, le repentir des pensées qui hantent nos cerveaux, le repentir des grands espoirs mondains pour lesquels nous vivons. Nous voulons vraiment nous repentir, nous voulons sérieusement améliorer notre repentir. Nous avons besoin non seulement de nous repentir des péchés et des vices, même si cela est primordial, mais aussi nous avons besoin d'autres types de repentir. Mes chers frères et sœurs en islam, après le repentir des grands péchés apparents et cachés, et après le repentir des péchés inséparables et des péchés occasionnels, nous avons besoin de, premièrement, de nous repentir de la perte de temps. La perte de temps qui concerne premièrement la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de la nuit, et nous avons fait de la nuit un vêtement et assigné le jour pour les affaires de la vie. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Il a dit subhanahu wa ta'ala également, ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Et lorsqu'il a décrit subhanahu wa ta'ala les serviteurs des miséricordieux, Ibadur Rahman, il a dit subhanahu wa ta'ala qui passent les nuits prosternées et debout devant leur Seigneur. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. C'est ça donc la fonction de la nuit en islam, la quiétude, le repos et la solitude avec Allah subhanahu wa ta'ala et son adoration. C'est de cette façon que doit être la nuit des musulmans. Mais malheureusement, regardez comment les musulmans passent leur nuit aujourd'hui. Hélas, pour les serviteurs, ya hasratan ala al-ibad. La nuit chez certains musulmans est synonyme de jeu, d'amusement, de désobéissance et de négligence. Et certains ont transformé pendant Ramadan la nuit en jour et le jour en nuit. Ainsi, ils ont perdu la nuit avec ses heures chères et ses moments précieux. Ils ont perdu la nuit et ses opportunités en or et ses illuminations divines. Ils ont perdu la nuit en disant que le mois de Ramadan est le mois de la veillée. Mes chers frères et sœurs en islam, le mois du Ramadan ne s'est pas encore terminé. Walhamdulillah. Alors, rapprochons-nous d'Allah subhanahu wa ta'ala davantage et repentons-nous de la perte de ces nuits dans les péchés et la distraction et montrons à Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité de notre repentir en nous levant la nuit pour nous tenir debout entre ses mains subhanahu wa ta'ala, en priant et en suppliant le miséricordieux et l'indulgent de nous pardonner, une opportunité que nous ne devons pas manquer pendant ce mois béni de Ramadan. Le deuxième repentir, après celui de la nuit, c'est le repentir de la distraction, de l'inattention, du vagabondage de l'esprit entre parenthèses. Mes chers frères et sœurs, est-ce qu'il vous arrive parfois de vous asseoir sans rien dire, sans rien faire, juste vous regardez le vide et vous pensez à rien, sans rien fixer de précis,
donnant l'impression d'être absent ou absorbé par ses pensées. C'est la véritable incarnation de l'insouciance. Une insouciance qui a cerné le cœur et l'esprit, malheureusement. Une insouciance qui devient plus dure si vous passez le temps à rien faire. Alors, repentons-nous de cela et occupons nos langues et nos cœurs par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Occupons nos esprits de la méditation sur cette évocation. Repentons-nous d'un repentir suivi d'une œuvre pieuse. Troisièmement, le repentir du sommeil. Mes chers frères et sœurs, nous avons besoin, durant ce mois béni de Ramadan, d'un élan très fort qui nous permet d'atteindre, bi-idhnillah, nos objectifs. Et ceux qui dorment 10 heures par jour ne possèdent pas cet élan. Ce sont les gens de la paresse et de l'oisiveté. Et si vous me dites que vous comptez votre sommeil pour Allah, je vous dis, est-ce que vous comptez 10 heures? Comment comptez-vous cela? Le fait de compter le sommeil pour Allah subhanahu wa ta'ala consiste à dire, oh Allah, je dors pour avoir la force pour t'adorer. Mais vous réalisez cela avec 10 heures de sommeil? Cela est un temps perdu de votre vie. Essayons, incha'Allah ta'ala, de déterminer ce qui est suffisant pour nous comme temps de sommeil et repentons-nous de cette tricherie en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous regarde, c'est mieux, subhanahu wa ta'ala, combien de temps nous suffit pour dormir. Donc ça, c'était le premier repentir, le repentir de la perte du temps. Deuxième repentir, le repentir sincère de la langue, de ce que dit la langue et de ce que commet la langue. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, « Ô Seigneur Allah, je te demande la protection contre le mal de ma langue. » Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Regardez le prophète, alayhi salatu wassalam, son statut, sa valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré qu'il est prophète, malgré qu'il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il demande la protection contre le mal de sa langue. Mais qu'est-ce qu'il dit, alayhi salatu wassalam, comme mal? Et dans le long récit de Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, ce compagnon qui a, lorsqu'il a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de l'informer sur une œuvre qui le fera entrer au paradis et qui l'éloignera du feu, et lui a dit à la fin du récit, alayhi salatu wassalam, veux-tu que je t'indique la tête de l'affaire, son pilier et son sommet? Ensuite, il lui a dit, alayhi salatu wassalam, veux-tu que je t'indique l'élément essentiel dans tout cela? L'élément essentiel dans tout cela? Et Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, lui a répondu, bien sûr, oh oui, ya Rasulallah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, saisit sa langue. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, retiens celle-ci. Retiens celle-ci. Le Mu'adh ibn Jabal, ce compagnon a dit, ya Rasulallah, serons-nous pris pour ce que nous disons? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger pour ce qu'on dit? Il lui dit, alayhi salatu wassalam, que ta mère te perde. Est-ce que ce qui culbutera en enfer les gens sur leur visage, ou il a dit sur leur nez, si ce n'est la récolte de ce qu'auront semé leur langue? Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Mes chers frères et sœurs en islam, le plus souvent de la langue, nous ne récolterons que du mal. Si on lui laisse la liberté, elle ne peut causer que notre perte. Mensonge, médisance, calomnie, diffamation, ostentation, mépris, etc. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et parmi les tragédies dans notre époque, les tragédies de nos langues, il y a la tragédie du téléphone. Sans doute, le téléphone, à notre époque,
a des avantages. Sûrement, il a des avantages pour le musulman. Et sûrement, pour la da'wa, pour le, ça veut dire, pour l'islam et pour notre religion, il a des avantages, le téléphone. On peut l'utiliser pour prêcher la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire le rappel. Mais il faut qu'on reste au niveau du téléphone à l'avis juridique de notre religion. La question qu'on peut donner à chacun de nous, ô toi musulman, toi qui pratiques la religion, toi qui veux l'au-delà et qui est soucieux de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son satisfaction, qu'est-ce que tu fais avec ce téléphone? Malheureusement, le téléphone est devenu pour beaucoup d'entre nous un prestige. Quel est le dernier cri du téléphone qu'il possède? Quelle est la marque du téléphone qu'il possède, etc. Une imitation qui est aveugle, malheureusement. Et pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, le téléphone ne représente aucun effet et il a aucun rôle à jouer dans sa vie. Et c'est pour cela que le téléphone est devenu parmi les choses qu'Allah déteste le plus. Écoutez ce hadith de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit, alayhi salatu wassalam, certes, Allah subhanahu wa ta'ala déteste pour vous trois choses. Il déteste les commérages, les on-dit, et le fait de poser trop de questions et le gaspillage d'argent. Le gaspillage d'argent. Et malheureusement, ces trois vices sont réunis dans le téléphone. Car dans nos communications, il y a que on a dit, on dit, un tel, il a dit, une telle, elle a dit. Et ne parlons pas des factures du téléphone, malheureusement, qui tombent à la fin du mois et qu'on doit malheureusement retirer du budget de la famille. C'est pour cela qu'on doit faire le repentir de cela et qu'on doit laisser le téléphone pendant Ramadan de côté. Parmi aussi les tragédies de notre époque et les tragédies qui sont les conséquences de la liberté de nos langues, il y a le fait de trop parler, de trop raconter d'histoires. Malheureusement, le fait de parler est devenu une passion chez certains musulmans. Certains musulmans ne peuvent pas malheureusement s'arrêter de parler. Et si tu t'assois dans une assise, que tu t'assois, ça veut dire tout en observant ce qui se dit autour de toi, ce que les gens disent et racontent, tu vas trouver que la majorité de ce qu'ils racontent n'a pas de valeur, malheureusement. C'est qu'une perte de temps. C'est ça la triste réalité. Et bien sûr, celui qui donne la liberté à sa langue peut tomber dans le péché. Le péché de mentir, le péché de dire des grossièretés, alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit: le croyant n'est pas injurieux, ni maudisseur, ni grossier, ni indécent. Regardez les bagarres qui éclatent dans une assise parce qu'on n'a pas su donner des limites à nos langues. Des bagarres qui éclatent même dans les mosquées, dans les lieux de culte, dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on ne sait pas maîtriser nos langues. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, et tout cela, ce sont des vices qui sont liés et qui sont attachés à nos langues.
Il dit alayhi salatu wassalam, wa iyyaka wa kathrata ad-dhahik fa inna kathrata ad-dhahik tumitu al-qalb. Et fais attention à ne pas trop rire, car l'excès de rire tue le cœur. Il tue le cœur. Le cœur, l'organe le plus noble chez l'être humain. Le sujet du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous rappelle la parole d'Allah, du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit que certes Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde ni vos corps ni vos images, mais Allah regarde vos cœurs et vos œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui l'importe de nous, c'est nos cœurs et nos actions. Et malheureusement, parmi les caractéristiques des musulmans de nos jours, c'est que dans les situations les plus sérieuses, ils commencent à rigoler, ils commencent à rire, ils commencent à transformer cette situation qui est sérieuse en une situation donc de rire. Nous craignons Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne. Mes très chers frères et sœurs en islam, et le repentir le plus important, c'est le repentir de nos cœurs. Le repentir de nos cœurs des mauvaises pensées qui le traversent. Malheureusement, certains de nous, ils rêvent tout en étant conscients, ce qu'on appelle les rêves éveillés. Il ne faut pas faire attention à ces illusions. On doit vivre notre réalité et s'éloigner des illusions, surtout ces mauvaises pensées qui malheureusement éloignent le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens ont été tués par l'illusion de devenir un cheikh alors qu'ils sont loin de là? D'autres ont été tués par l'illusion de la quête du savoir et ils ont vécu pendant des années et ils ont mis les habits des talabat al-ilm, les gens ou bien les étudiants qui sont en quête du savoir, alors que ce sont des vêtements qui ne leur sont pas appropriés. C'est pour cela qu'on doit vivre notre mois de Ramadan avec une réalité qui est loin de toute illusion. On doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et s'occuper de l'œuvre pieuse, de se consacrer aux actes de bien qui nous rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi le repentir du cœur, il y a le fait qu'il se repente de toute relation en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, ils ont adopté des divinités en dehors d'Allah pour qu'ils leur soient des protecteurs contre le châtiment. Bien au contraire, ces divinités renieront leur adoration. Ils seront pour eux des adversaires. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. Donc à chacun de nous de faire attention d'avoir des attachements et de relations avec autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car tous vont nous laisser le jour de la résurrection, vont s'éloigner, chacun va s'occuper de lui-même, mais il n'y aura qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sera pour nous ce jour-là. Et parmi les repentirs, mes chers frères et sœurs en islam, du cœur, il y a le fait qu'il se repente des aspirations, des attramoiements et du long espoir. Ce sont trois maladies qui sont graves
et qui tue la foi dans le cœur. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui y ont cette maladie de remettre les choses à plus tard. Et c'est pour cela que Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit Laysa al-iman bit-tamanni wa la bit-tahalli. Al-Hassan al-Basri, dans cette phrase, dans cette parole, qui est une parole en or, il nous montre, il nous dit que la foi ne repose pas sur les apparences, ni sur les espoirs, mais la foi émane du cœur et elle se traduit par les actes. Aujourd'hui, nous vivons en Ramadan. C'est aujourd'hui qu'on doit se repentir. Il ne faut pas tarder le repentir pour après, pour l'année prochaine, pour le mois prochain. Mais il faut se repentir immédiatement. Donc il dit, rahimahullah, Al-Hassan al-Basri, la foi ne repose pas sur les apparences, ni sur des espoirs, mais elle émane du cœur et se traduit par les actes. Et certains gens ont été trompés par les mauvais espoirs du pardon. Ça veut dire dans le sens où certains gens, ils commettent des péchés et ne se repentent pas parce qu'ils nourrissent de vains espoirs en Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'il va nous pardonner. Donc ils ont été trompés par les espoirs du pardon jusqu'à ce qu'ils soient sortis de ce bas monde sans aucune bonne action. Et s'ils avaient eu une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils auraient fait des bonnes actions. Parmi les repentirs du cœur, il y a le fait qu'ils se repentent de l'ostentation et de l'orgueil. Ce sont aussi des maladies qui tuent la foi dans le cœur et qui malheureusement traînent le serviteur vers l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Car l'orgueilleux, son action et ses bonnes actions en apparence ne sont pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wasalam nous dit que celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur ne rentrera pas au paradis. لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Donc à chacun de nous de vérifier son cœur et de faire attention à ses maladies et de faire en sorte que son cœur soit propre et soit guéri et soigné de ses maladies. Le repentir de la mauvaise certitude dans les promesses et les avertissements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez mes chers frères et sœurs en islam, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui dit subhanallah wa bihamdih, Allah subhanahu wa ta'ala lui plante un palmier dans le paradis. Man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Regardez, je viens de dire subhanallah wa bihamdih. Ça m'a pris une seconde de le dire. Et si j'ai une grande certitude dans cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, je sais que un palmier, là, il est planté dans mon jardin de paradis. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que chaque arbre qui se trouve au paradis, son tronc, il est fait d'or. Il est fait d'or. Alors combien de kilos d'or chaque arbre dans le paradis possède? Donc ça, c'est le prix d'une seule seconde de ta vie. Une seule seconde, tu as pu récolter donc cette récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que malheureusement, nous perdons notre vie à faire n'importe quoi et à peut-être commettre des péchés et des désobéissances qui nous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa bima qulna. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permettent de nous
repentir avec un repentir sincère. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne, qu'il nous rende meilleurs. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guérisse nos cœurs, qu'il purifie nos cœurs, qu'il nous permette d'accomplir les bonnes actions qui nous rapprochent de lui, subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة صادقة يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الفردوس من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ومصاحبة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.